Bonjour YouTube, on est reparti. Du coup, on doit s'occuper du choker, mais on est dans une zone qu'on n'a pas explorée. Et honnêtement, ce serait péché que de ne pas aller se balader un petit peu quand même. Ne serait-ce que pour me remémorer les touches. Wouhou! Ok, ok. Allô? Peter, je voulais m'assurer que tu n'as pas laissé traîner dans le labo les équipements que tu construis pour ton ami. Ça ne me dérange pas, mais si le comité des subventions devait repasser... Pas de soucis, Doc. Je fais en sorte de rien laisser traîner. Mais je sais que mon ami apprécie que vous pensiez à lui. Il y a beaucoup de gens qui l'apprécient pas trop. Ce bouffon de Jameson et son auditoire de moutons, je t'en prie. Les gens qui font de grandes choses dans ce monde sont ceux qui ne se laissent pas marcher sur les pieds par des zèbres dans son genre. Des gens comme nous. Bien parlé, Doc. Zèbre dans son genre. C'est une insulte, ça. Bande de zèbres. Ok. Du coup, oui, ça, je peux passer. Donc là, on a évidemment plein de nouvelles choses incroyables. Ah, on a un petit repère qu'on pourrait se faire. Oula. Plan surprise. On va commencer, on va faire le tour. On va commencer par le sac. On a un 10-10, potentiel vente de stupéfiants. À tous les agents de Riverside, rendez-vous sur place. Let's go. Le trafic de drogue s'est intensifié depuis que Fisk n'est plus là. Je peux pas laisser faire ça. Dites-moi, vous comptez déclarer ça aux impôts, n'est-ce pas? Tu peux faire des prières! C'est bon, fini de jouer! Arrête de bouger! Attention! C'est de toute beauté! De toute beauté! Le trafic de drogue est peut-être le crime que je déteste le plus. En tout cas, c'est en haut de la liste. Ou bon, en bas, ça dépend comment on voit. D'accord. Mais bon à savoir, Spider-Man, merci. Très bien. Bon, bah, on les a fumés. C'est une de quoi, c'est quoi, nouvelle tenue, là? Tu vois? Ah, c'est celle du film, ça. Tenue de Stark, ouais, c'est ça. Toujours pas de quoi aller prendre les autres. Bah, il faudrait que je retourne faire des... Ah, je pourrais prendre la tenue du clocho... du clodo. Allez, vas-y. Histoire de changer un peu. C'est vrai que toutes celles-là, je les ai aussi, en fait. Ça, j'ai pas la ref, hein, c'est bizarre. J'aime bien la tenue du... Vas-y, on va passer un peu sur celle-là. Ah, j'aime bien mon explosion de toile, laisse-moi mes pouvoirs, s'il te plaît. Elle a débouclé des nouveaux trucs, par contre. C'est quoi, ça augmente la portée de notre scanner? Ouais, non, ça va. Donc XP en battant les ennemis, ça va, je trouve qu'on monte bien. Ça pareil, c'est pas trop ma cam. Ok, très bien, bon, on débloque des trucs en tout cas. Nouveau gadget. Un spider drone. Il faut faire de la recherche. C'est quoi le... Pourquoi c'est verrouillé, ça? Ah, niveau 10. D'accord, c'est au-dessus que c'est marqué. Par contre, je peux améliorer mes toiles pour recharger plus vite. Ça, je dis oui. Bien sûr que je dis oui. Ok, nouvelle compétence, du coup. On a quoi? On peut racheter les armes lourdes. On t'apporte l'animation hauteur. Ah, ça c'est pas mal, ouais. J'ai envoyé un texto à Yuri pour récupérer ces types. En faudrait un emoji Spider-Man à mettre à la fin. Attends, y'a quelqu'un qui veut dire bonjour. J'arrive plus.
plus à capter sur mon téléphone depuis que la tour du crime est HS. Tu peux la réparer? C'est simple. Pas de m'avoir prévenu? J'y vais. J'étais pas parti pour faire ça en prio, mais c'est parti. Hop là. Ok. Encore un crime. Let's go. Pas oublier les esquives. Ok. Un bon vieux braquage à l'ancienne. Même les criminels se mettent au vintage. Le vintage, ok, ça c'est bon. Ok, ok, on va repartir par là-haut. Voilà, quel bonheur ce jeu. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous ai fait mal? Bonne nouvelle, la police arrive pour vous protéger. Il est calme quand même. Un peu vénère, hein. Comment... Comme ça. Joli. C'est où? Là-bas. Je les vois, je les vois. Ok, ça, c'est une course poursuite à haute vitesse. J'ai perdu. Là. The Heat. Ok, nous y voilà. Est-ce que le klaxon joue la cucaracha? Allez, Spider-Man! Terminus! Tire-toi! Et ça c'est... Hop, et le spam. Ok. Oh non, la dame! Donc, heureusement qu'elle a des pouvoirs de... Il y en a d'autres? Pour des criminels? Ces types ont l'air d'avoir un grand cercle social. Voilà. Volé. Volé. Ah mais je peux attacher les gens comme ça aussi, c'est pas mal. Vous pensez à une clause pour l'entoilage ? On tient peut-être l'idée du siècle là. Et eux ils visaient dans l'autre sens. Vous avez pas tout compris hein. Anyway. Centrale, poursuite terminée. On se dit véhicule les suspects. Hop là. Ah je crois, j'ai repris la main plus vite que ce que je pensais hein. Il est vraiment bien le jeu. Je vais continuer de le répéter, hein, mais... Faut que je me penche un jour sur un tissu qui absorbe les ondes sonores et lumineuses. Une combinaison furtive me serait bien utile. C'est vrai. Il y a des trucs que j'avais pas lu. Il paraîtrait que Fisk ait fait fortune en vendant ses épices. Elles sont bonnes, hein. Mais pas à ce point. D'accord. J'ai battu Scatcher juste après avoir acquis mes pouvoirs. J'avais jamais eu autant d'argent avant. Ni même depuis, maintenant que j'y pense. Faut bien trouver un truc à faire pendant...
Ça, je l'avais déjà vu. Vous avez peut-être entendu parler du braquage à la salle d'enchères Roseval. Ce qui vous a peut-être échappé, et mes sources le confirment, c'est que les malfaiteurs portaient des masques. Des têtes horribles, démoniaques. Nouvelle illustration du raz-de-marée de criminels masqués depuis l'apparition de Spider-Man. Ah oui, c'est ma faute. Qu'en pensez-vous? J. Jonah Jameson, vous êtes à l'antenne. Ouais, je comprends ce que vous dites. Mais Spider-Man, il a arrêté ces types. Vous le rangez dans le même panier, juste parce qu'il porte un masque. C'est un préjugé. Faux! Une petite leçon de vocabulaire juste pour vous. Préjuger une personne signifie qu'on la juge avant de savoir quoi que ce soit à son sujet. Mais je sais tout ce que j'ai besoin de savoir sur Spider-Man. Il met la pagaille aux quatre coins de la ville. Il porte un masque pour ne pas avoir à répondre de ses bourdes et un costume tape à l'œil pour attirer l'attention. Il est bien mon costume. Hein. Démesuré. Alors imaginons que je sois un déséquilibré et que moi aussi je veuille qu'on parle de moi dans les médias. Eh bien, je vais faire tout comme lui. Et New York court à sa perte. Terrible. On va essayer de la faire un peu en élimination. Le roi est rempli d'hommes de main de fisc, avec des bosses sous leurs vêtements. Enfin, je parle d'armes cachées, hein, bien sûr. Je peux pas intervenir juste pour des bosses suspects. Merde. C'est qu'une intuition, hein. Mais je m'attends à des troubles à l'ordre public assez rapidement. Oh, je l'ai éliminé. Ok. Je pensais que je m'étais fait repérer avec ma connerie, mais... J'arrive à les attirer. Je me trouve un nouveau podcast. C'est. Ouais, c'est un peu trop nombreux. Hein. Au moins je peux. Je fais les décorations de Noël là. On est encore par là ? Oh merde ! Pour bas. Je vois plus rien. C'est quoi que je suis censé faire là? Ici un combo de 20 coups et 3 ennemis touchés avec échafaudage. Ok, le combo c'est fait. Mais par contre, échafaudage, je sais pas ce que ça veut dire. Qui court vers moi, je me dis toujours que c'est pour me tuer. Et c'est souvent vrai. Habile. Spider-Man, tous les ouvriers affectés à ce chantier semblent récemment avoir gagné gros à Atlantic City. C'est un moyen facile de blanchir de l'argent. C'est peut-être là que Fisk garde tout son liquide.
sous-vêtements à tout le monde. On va lui mettre la pression. Je m'occupe du mandat. Déjà brûlé devant. Attention! C'est de toutes des nouvelles têtes! Ah, ça tombe bien! Je commence à en avoir un peu marre des autres! Ok, donc les échafaudages, il faudrait que je les attire par là-bas. Ok, nice. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ça va faire mal! Attends, attends. C'est mal. Il n'y a plus d'échafaudage par contre. Plus d'ennemis. Ah, c'est beau cet attachement inconditionnel qu'ont ces types envers Willy. Au point de venir quémander des tatanes. Je sais pas, je sais pas. Il n'y a plus d'échafaudage. Je vais le balader, essayer de trouver un échafaudage. Est-ce qu'on a encore des échafaudages ici? Ah, je crois que c'est mort, hein. Bon, bah écoutez, tant pis. Il est où Jean-Bob? Excuse-moi. Hop là. Vos hommes ne rencontreront aucune résistance ici. Et Wilson Fisk continue d'enchaîner les déconvenus. Bien joué. Ok, nice. Alors, sac à dos. Chaque jour, en tout point, je m'améliore. Bizarrement, c'est pas du tout l'impression que j'ai. On a un 10-10, potentielle vente de stupéfiants. À tous les agents près de la caserne. Oh. La carte d'adieu de mes collègues du Daily Bugle quand je me suis lancé dans la recherche. Des gens vraiment sympas. Sauf Jameson. Spécial marqué. Bientôt de nous quand on aura soigné le cancer. Il va me manquer. Ah, il dit Brock, c'est Venom ça. Ok. Ok, ok. C'est quoi une nouvelle compétence? Ah, j'ai re-un point. Pour sauter une deuxième fois, c'est pas mal. Oula. Attaque aérienne, en plus des dégâts. Ouais. Alors, ce que vous pourrez ajouter. Ah, mais c'est de l'acharnement, ça.
Oh, c'est bien un deuxième saut. Ça signalait un crime. Hein. Et où ? Préparez-vous, chers auditeurs, parce que là, j'ai du lourd. Nous sommes en ligne avec une dame. Pardon, je t'interromps, monsieur. Dame dont le mari a été enlevé par Spider-Man. Ah bon ? Quoi ? Non, non, vous avez mal compris. Mon mari a été enlevé par des criminels qui l'ont enfermé dans le coffre d'une voiture. Spider-Man l'a trouvé et l'a fait sortir. Puis il a arrêté les criminels quand ils sont revenus. Veuillez excuser, madame, la compétence crasse de mon stagiaire qui m'a empêché d'entendre la deuxième partie. Mais vous vous rendez compte, bien sûr, qu'il est possible que Spider-Man ait organisé l'enlèvement pour pouvoir sauver votre mari et se couvrir de gloire. Ça paraît un peu idiot de se donner tant de mal alors qu'il pourrait simplement empêcher des crimes réels. Bon, de toute évidence, nous sommes dans une impasse. Eh bien, passez le bonjour à votre mari, madame, hein ? Jared, envoyez la pub ! Et puis virez-vous vous-même ! Vous vous réengagerez juste avant la reprise du direct. Mais rappelez-vous que votre poste ne tient qu'à un fil. Si vous aviez un salaire, je le diviserais par deux. Putain, les podcasts éclatés. Alright. Oh, une zone de fisc, bah bien. Ah, on a écrit mon cours, visiblement. Ah non, c'est... où est-ce que c'est ? Possible trafic de drogue en cours. Prudence pour toutes les unités. Rendez-vous dans le secteur de Devil's Shelf. Comment je m'accroche dans les airs déjà ? Comme ça. MJ a écrit cet article sur les manifestations étudiantes pour le journal de l'école. À l'époque déjà, c'était une sacrée plume. Nice. Ok. Donc je suis là. Bien celle-là. Ah, en effet, sympa. Et du coup, la tour, c'est où ? Juste là. Capitaine ? Je suis sur un chantier de fisc, et leur équipement est couvert de poussière. C'est juste une façade ? Je crois, ouais. Je vais aller voir ça de plus près. Oh, j'ai... Le chef qui peut rien gérer depuis sa cellule, ils le connaissent vraiment mal. Ils oublient beaucoup de gens, ils sont de... Fais dodo ! Là, je le vois ! Merde, faut faire des éliminations silencieuses. Ouais, je me casse, attendez. Ok, on va revenir. Ils m'attendent encore ? Non, ça va. Bon, ils ont pas l'air contents, mais ça doit le faire. Ils ont un sixième sens ? Oui. Ok, on va s'écarter. Essayer de détrigger l'alerte. Ok. La musique, ça devrait être bon. J'ai eu un effet de toiture au fil. Qu'est-ce que la toiture au fil est ? Capitaine, je suis sur un chantier de fisc. Et leur équipement est couvert de poussière. C'est juste une façade ? Je crois, ouais. Je vais aller voir ça de plus près. Ensemble, mais le boss lui a jamais fait confiance. Faut croire qu'il avait raison. Soyez prêts à tirer. Personne sera assez débile pour venir ici. C'est compliqué parce que... Non. On vu ? Spider-Man en vue ! Fuck. Bah, je m'en vais. Et je me balance. Et tu te balances. Et nous nous balançons. Allez.
Bon, troisième essai. Capitaine, je suis sur un chantier de Fisk. Et leur équipement est couvert de poussière. C'est juste une façade ? Je crois, ouais. Je vais aller voir ça de plus près. Alors, de 1... Ah mais non. Bon attendez. Il faut que je prenne plus mon temps là. Ah pas là. Ah. Gravité n'avait plus prise. Capitaine, je suis sur un chantier de Fisk. Et leur équipement est couvert de poussière. C'est juste une façade ? Je crois, ouais. Je vais aller voir ça de plus près. Je crois que les chefs n'ont rien géré depuis sa cellule. Ils le connaissent vraiment mal. Ils oublient que beaucoup de gens lui seraient comme faire un café. Je croyais qu'il était pote avec le maire. Ils ont travaillé ensemble, mais le boss lui a jamais fait confiance. Faut croire qu'il avait raison. Si j'en crois les rumeurs, Osborne regrettera bientôt d'avoir oublié qu'il était le mec qui était tiré au Spider-Man. Les gars, Spider-Man pourrait débarquer. Je vais pas quitter, mais tu vas regretter d'être venu. Que ce soit dehors ou en tournée, le boss reste. Ouais. Ah non, bah non, il me voit. Ouais, ça me saoule. Objet, on offre avec un donut gratuit, viens l'explorer. Attention, fusée en l'air. Comment on peut lutter contre ça? Et plus d'objets. Entourez-le. On t'aura mort au pif. Fiche qu'il n'y a pas de préférence. Écartez-vous de lui. C'est fini. Bon allez, c'est bon, maintenant je peux les fumer. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter ça? Voyez-le. Devant, je les inquiète. Wow, calmez-vous. La période des soldes, c'est pas avant début janvier. C'est vrai ça? Fini de rire. Spider-Man, ils ont réceptionné assez de ciment sur ce chantier pour construire deux gratte-ciel. Attendez, je vais deux gratte-ciel. Ils cachent de la drogue dans les sacs de ciment? Je crois bien. On aura besoin d'un motif valable pour accéder au chantier et confirmer tout ça. M'en occupe. Quand il y en a plus, il y en a encore. Poussez pas, tout le monde aura son câlin. Mais tu la fermes jamais? Ouais. Il y a un cadeau pour toi. Bougez-vous, il faut qu'on l'arrête. Non. Ça, jamais. Thank you.
vraiment fort. Je vous préviens, je mets mes toiles où je veux. Et c'est souvent dans la gueule. Pas mal. L'échauffement est terminé. Et c'est plié. Tu vas mourir. Tu ne peux pas le laisser nous battre. Tiens, coupe-moi ça. Tu ne peux pas le laisser faire. À couvert. À terre. C'est fini. Oh! Mauvaise touche. Ça a failli mal finir. Hein. Ok. Eh bien. Quel bazar! Capitaine, les hommes de Fisk et tous les motifs valables dont vous aurez besoin vous attendent bien sagement. Bravo! Fisk croit tout pouvoir gérer depuis sa cellule, mais il va se rendre compte que les relations à distance sont souvent vouées à l'échec. Bon, faut pas dire ça. Hein. Faut pas dire ça. Bon, bah cette zone s'est pacifiée. Et honnêtement, vu comment c'est parti, je pense que je vais descendre en continuant de le faire. Comme ça, au moins, on sera peinard sur la découverte de la ville. Ah non, il y a tout le haut là-bas, mais bon, on aura bien une occasion d'y retourner. Et ça veut dire que ouais, tout le milieu bas il sera fait quoi. Ah bah non, il est là-bas aussi. Bon bref, allons-y. Et il part. Direction la broie. Je sais pas qui c'est Shocker mais. Oh. Qui me salue ? Monsieur ? Je devrais peut-être me méfier un peu plus de mes grands fans. C'était. Nul. Et au fur et à mesure, je commence à être un peu bourré sur ma tôle d'araignée là. Ok, les dunes. Oula, il est lent lui. Sac à dos. On va pouvoir faire deux sauts, mine de rien, ça va être bien. Et dis donc. C'est quoi cette histoire là? Tiens, on dirait qu'ils essaient d'entrer avant l'heure. C'est pourtant pas les seuls. Bienvenue au spectacle aérien. Je pense que je l'aurais mis. Bon, j'aurais fait qu'une pièce sur deux, mais c'était trop beau. Et je doute que vous soyez meilleur en évasion qu'en effraction. Ah, Hell's Kitchen, c'est le Blade d'Ardeville. Je ne peux que courir comme un dératé. Ah ça. Il est où mon sac? Là. On a un 10-10, potentielle vente de stupéfiants. Intervenez à Monk Park. J'ai pu me passer mes lunettes quand j'ai eu mes pouvoirs. J'ai dû raconter que je m'étais fait opérer grâce à l'argent du concours de science organisé par Fisk. Ah quand même. Ouais, bah après ils disent qu'il se passe des trucs, mais bah, le problème c'est qu'ils me disent jamais où donc. Donc je sais pas. Attends, y'a un truc. Ah, merde, là-bas je l'ai pas fait. À
elle a envie de faire. Ouais, merde, je l'ai plus d'affiché. Bon, on va essayer juste de pas perdre la direction. La tour Fisk. C'est quoi qu'on veut? Ah. On va aller voir. C'est un crime là. Je fume. Oh, je suis même sorti de la zone. Voilà, j'ai bien cru que j'allais me bouffer le mur. Ils se sont emmerdés à faire des internes maison et tout quand même hein. Ah il est où mon sac? Oula. Je vais prendre le métro là. Ah il est en dessous. Ah la vache, il était bien planqué lui par contre. Autant il y en a beaucoup qui ne le sont pas mais lui sur ce portable. Avec un vrai budget ça changerait tout. Et j'aurais pas à fouiller les poubelles. C'est vrai qu'il est un peu... Ah, il y a des méchants là. C'est parti. C'est quoi les trucs que je dois faire hein? Pas d'infos. On les fume juste. Ça me va. Déjà ? Décidément les braqueurs, c'est plus que c'était. Ah bah on les a démontés. Bravo à tous. T'inquiète ma gueule. Et ils vont partir avec le camion poubelle, moi je trouve ça très drôle mais ok. Ah mais ce serait pas le... Chouette. Alors ça, si je dis pas de bêtises... il me semble que c'est le... Vol en cours. Les individus sont armés. Dans sa visée. Incident en cours près de Longacre. Terminé. Bon, on s'en occupera plus tard. Messieurs, je vais devoir vous demander de quitter le magasin. Ce que j'aurais mis. Un bon vieux braquage à l'ancienne. Même les criminels se mettent au vintage. Le gymnase, il me semble que c'est Luke Cage. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais je dis peut-être une grosse bêtise. En tout cas, je suis à peu près sûr qu'il est dans... C'est l'un des super-héros de la série Un Netflix. Un peu de patience, les gars. Le panier à salade va arriver avec tout le confort. D'ailleurs, j'ai cru voir qu'ils étaient sur Disney+. Maintenant, c'est celle-là. Faudrait enfin, peut-être que je me les remette à l'occasion. C'était quand même cool. Hein. Hop, hop, reviens. Ok, suivante. Ah. On a du boulot. Décidément, Hell's Kitchen. Bonjour à tous. Dites-moi,
Vous comptez déclarer ça aux impôts, n'est-ce pas? Au revoir. Il est mort, lui, hein. Au moins, Fisk tenait tous ses dealers en laisse. Bon, mais attendez. Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que... il me manque? Ah, c'est dommage, par contre, ça, qu'on... on commence un peu à boucler dans les... dans les dialogues de Spider-Man, par contre. Merde. Qu'est-ce qui se passe? Belle image. On donne une chance de faire le bon choix. Je dis c'est Daredevil, ça c'est le bar où il y va. En même temps, Hellsteel Sean c'est bourré de super-héros. Hein. Possible trafic de drogue en cours. Prudence ah. Pour toutes les unités. Rendez-vous à Hellstax. Terminé. Bonjour à tous. Oh, on dirait des petits apprentis Fisk. Trop mignon. Allez, tirez! Montez ou on part pour vous! Moi, je finirai pas comme ça. Je vais les perdre! Il faut que je me dépêche. Okay. Pour des amortisseurs un peu raides. Bienvenue au drive. Faut que j'ai... Ne vous échapperez pas, messieurs dames. Hop les. C'est gagné. C'est toujours un plaisir. Pardon, je l'ai interrompu, mais... plaisir de faire capoter une vente de drogue. Quel bazar! La police. Ah. Fin des waistline. Alors, sac à dos. Cet article mettant sur mon dos l'assassinat de flic par Electro a été la goutte d'eau. Je pouvais plus valider les mensonges de Jameson en lui fournissant des photos. En effet, ce n'est pas Bing. Alors... voilà. Attends, reviens, clique quand même. J'ai pris une balle de la police quand ils croyaient encore que je bossais avec Electro. Heureusement que ces bouquins sont épais. Et dommage qu'ils soient si chers. Par contre, ça me dit rien du tout, cette histoire. Alias, ça c'est... comment? Jessica Jones. Ok. Les gens me parlent. Le gymnase, mais j'y pense, c'était Iron Fist, pas Luke Cage. Et d'ailleurs, Luke Cage, on va peut-être y arriver bientôt. C'est une Square Garden. Sans vouloir me vanter. Stylé. Allez, on a presque fini le kitchen.
monsieur. Oui, de ouf. De ouf, monsieur. Oh merde, faut que je reparte là-bas. Ouais, c'est parti. Ah, nouveau niveau. Nouvelle tenue. Ok, elle est particulière, mais on va la prendre un peu. C'est quoi ça? Ouais, oh, c'est naze. Pour l'instant, je peux pas. Alors, ça c'est quoi? Une plus de lance-toile. Fermer les ennemis. Il y a des trucs. Bon, on va améliorer le lance-toile. Vu comment je m'en sers beaucoup. Là-dedans... Alors ouais, ça, vu que je viens de m'en servir, là, je me rends compte que c'est quand même stylé. On va améliorer notre déplacement vu qu'on passe notre vie à se balader. Yes. Oh, je suis tout nu. Je suis la discrétion incarnée. Oh, les pigeons, ils étaient obèses un peu là. Chauffeur en liberté, j'arrive pas à y croire. Ouais, moi non plus. Ah. Ah, c'est le brouilleur que j'ai bricolé pour détraquer les ailes de Vulture. Dommage qu'il les ait améliorées après. Ah ouais. Mais c'est bien sérieux de laisser traîner tout ça, Spider-Man. Moi, je vous le demande, hein. Ok. Avec cette fiole de sang de Lizard, j'ai pu concocter un remède et redonner au docteur Connors sa forme humaine. Dommage que ça ait pas duré. C'est là quand même qu'on se rend compte que les noms des méchants de Spider-Man ils sont pas ultra originaux quand même. Où dois-je aller là-bas? Et on aura fini la zone. Ah bah ça doit être l'église de... Parfait. Ouais. Ça doit être l'église de Daredevil. Quand Vulture a fêlé mon œil, il a failli m'éborgner. Ça a été un déclic pour moi. Il fallait trouver un matériau plus résistant. Tu m'étonnes. Ok. Bon. On a fait une belle zone. On a bien avancé. On peut avoir une vue de New York entière ou pas du tout? Ça a pas l'air d'être d'actu. Il y a plein de trucs verrouillés, j'ai l'impression que là je vais entendre me faire du... la collectionnite alors qu'en vrai j'aurais encore plein de trucs différents à faire ensuite, mais on verra bien. Non bah là c'est bon, là, j'ai fait ce que... Non, on va aller faire ça d'abord. Et après je pense que c'est bon, à moins que ça débloque un milliard de trucs, on va pouvoir avancer un peu dans l'histoire. Parce que là ça fait quand même une heure qu'on joue et qu'on a rien foutu. Ça va peut-être un peu commencer à se voir. Thank you.
Ah, c'est stylé quand même. Oh bah Eddie. Ah, le manoir de Dr. Strange qui brille, c'est pas très discret là. C'est stylé hein, parce que du coup, mine de rien, j'ai jamais foutu les pieds à New York, mais je reconnais des trucs hein, grâce à toutes ces conneries à force de voir des films. Intervention d'agent requise dans le cadre d'un accident de la route, victime civile. Rendez-vous à Two Bridges, terminé. Ah, je ne sais pas où c'est hein. Schnavray. Oh là, il est pas facile lui. Ok. Ah bah désolé de vous l'apprendre mais... Non vas-y, ce serait abusé, on est juste à côté, je vais aller faire la quête quoi. Au bout d'un moment ça va se voir, ça va se voir. Faut en garder un peu. Allons-y, le choker donc. J'avoue que c'est un méchant que je ne connais pas. Donc on va découvrir un peu ce qu'il fait. Il me semble pas qu'il y ait eu de film avec lui dedans. Ça ne me dit rien. Oula. Bah c'est Ant-Man. Salut Herman. Sérieusement ? J'ai déjà entendu ça quelque part. Je peux pas faire de mal. Ça serait une perte de temps. Wow, c'est gentil de ta part. À quoi va te servir l'argent, Herman? Qu'est-ce que ça change? Rien, en fait. C'est juste histoire de faire la conversation. J'ai rien à dire. Dommage. Ce serait beaucoup plus épanouissant si on partageait nos sentiments. Ah, pardon, j'oubliais. Tu n'as pas de sentiments. Allez, Herman, parle-moi! Que ça soit un minimum intéressant! Il a pas envie de parler, lui. Herman! Quoi? Il faut t'appeler Choc. Ah, oh, pan! Voilà! Parlons un peu! J'ai dit. Assez. Allez! Figé. Ok, on recommence. Franchement, Herman! Fallait vraiment que tu remettes ça? Tu sais bien que la police te surveille de près! Bon, d'accord, t'es pas très malin, mais à ce point-là, ça devient criminel. Il faut vraiment être désespéré. Ce qui me fait penser que tu fais pas ça par choix. Tu dois travailler avec quelqu'un. Ou pour quelqu'un. Tu peux me dire tout de suite qui c'est? Ou me forcer à te taper dessus. C'est toi qui vois. Allez, on se bouge. C'était quoi ça? Qu'est-ce qui m'envoie la gueule hein? Allez, à terre, gamin. T'as gagné? Tu sais quoi, Herman? T'as le charisme d'une huître, mais ton costume déchire. Tu veux bien qu'on parle design? Ça parle mal. Ouais, plus tard. Ah, c'est gagné? Bah allez, let's go, je suis trop fort. Beau travail, Spider-Man. Vous avez réussi à en savoir plus sur son mobile? J'ai essayé, mais il est pas très bavard. En plus, je pense qu'il me déteste. Je crois que c'est le cas de pas mal de gens, vous savez. Mais vous, vous m'aimez bien, non? Disons que je vous tolère. Oh, c'est la première fois que vous me dites un truc aussi sympa. Je vais changer la tenue, elle est pas ouf. Non, en vrai. On recherche, faut que je retourne au labo. Hein. On va mettre un peu la tenue de samouraï. Hein. Ouais, dégaine. J'ai un petit peu de temps libre. Je vais enfin pouvoir m'intéresser à ce masque. Oh, c'est MJ. Salut MJ. Tu dors pas? Je viens de regarder les infos. Apparemment, tu t'es bien amusé avec Shocker ce soir. Ouais, il était plus coriace que d'habitude. Au fait, merci pour le dîner. Qu'est-ce que je te dois? T'as tiré un service? T'as toujours le masque de la galerie? Ouais, bien sûr. J'allais justement au centre Fist pour en parler à Martin Lee. Martin Lee? Pourquoi? Il a étudié l'histoire de l'art.
Si quelqu'un sait d'où provient ce masque, c'est bien lui. Cool, tiens-moi au courant. Comme je te le disais, oh, le petit silence gênant là. Tout savoir, et je compte bien y remédier. Ok. Et du coup, je peux t'appeler quand je veux ? Ouais, bien sûr, pas de problème. Donc, on se parle à nouveau ? Cool. Oh, le désespoir d'un homme. Le jour se lève. Monsieur Lin va plus tarder. Oula, j'ai un petit creux, moi. Let's go. Oh, cette dégaine, quoi. Est-ce qu'il y a son armure, ça dit ? Et il dort quand, Peter Parker, par contre ? Monsieur Lee doit être à son bureau à cette heure. Ok. Ça va, merci. Ça va, vous tenez le coup ? Ce crétin pense que je vais emménager chez ma fille. Ce serait génial. Elle a même pas demandé, mais c'est hors de question. Je bouge pas d'ici. T'en sais rien. Personne sait rien. Moi, en tout cas, je reste ici. Je vous le promets. Oh, le monde va vraiment mal. La jolie assistante sociale est encore passée aujourd'hui. Si tu veux que je te la présente, n'hésite pas. Ok, ok. Bon, je suis pas sûr que ça développe des trucs de ouf. Donc on va... Courage, messieurs, dames. Mais comme je disais, oui, j'ai pas l'impression que ça nous développe des vraies intrigues de parler avec ces PNJ. Donc bon, on va enchaîner. Peter, que puis-je faire pour toi ? Pardon de vous déranger, monsieur Lee. J'ai une amie, Mary Jane, qui est journaliste. Elle écrit un article sur l'importation d'œuvres d'art et elle a trouvé cette pièce. Elle voudrait avoir l'avis d'un expert et je sais que vous avez un diplôme. Et ça pourrait bien être la première fois de ma vie que je peux l'utiliser. Alors, montre-moi ça. Intéressant. Où l'a-t-elle trouvé ? Je sais pas vraiment. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est ? C'est une réplique d'un ancien masque d'opéra chinois. J'en ai pas vu depuis des années. Oh, lui, c'est tellement un méchant. Le symbole juste ici peut se traduire par démon. Démon ? Mon père me lisait des contes d'horreur avec ce masque et ce symbole quand j'étais petit. J'en avais une peur bleue. Peter, écoute-moi. Ce masque... Il pourrait être lié à des personnes dangereuses. Mary Jane devrait trouver un autre sujet d'article. Quoi ? Vous pensez qu'elle est en danger ? Je sais pas. Mais pourquoi tenter le diable ? Bah parce qu'elle est journaliste, du coup. Hey ! Bon, le symbole dans le masque veut dire démon. Monsieur Lee avait l'air terrifié, je l'avais jamais vu comme ça. Il m'a même dit que tu ferais mieux de laisser tomber. Il rêve. Tu crois que Monsieur Lee en sait plus que ce qu'il veut bien nous dire ? Non, je crois plutôt qu'il a eu une sorte de flashback. Je sais qu'il a eu une enfance assez traumatisante. Ouais, ça doit être ça. Des démons, hein ? Accrocheurs ? Ok, j'ai du boulot. À plus tard. Bon, je dirais que ça s'est pas trop mal passé. Y a quand même moins de vétérans sans abri. Mais il y en a toujours trop. Heureusement, mon ami Flash Thompson fait de son mieux pour y remédier. Flash Thompson. Qui est-ce ?